seat and been counting the days. I finally found my way out of this cage. Now look at the town to the ground it was raised. Boston, I'm back, but I doubt you're the same. Nuclear mutants fall out of my way. I'm covered in blood, showered in waste. Mushroom clouds came down like the rain. I'll empty my rounds right out of the chamber, cause when I go down, I go out with a bang. How many gangs are down to be slain? I'll make my slaves bound to these chains. All of these cowards are shouting my name as I rise from the ground and come out of the grave. I'm all that remains. Yes, I'm a legend, but when I was stepping out of 111, I barely remember the way that I left it. I never expected a separate dimension. Survival's a lesson, that's why I'm professing. The Bible that I'm living by is my weapon. I'll customize every kind that I'm hitting. Already in hell, got no time for confession. Set sail for redemption. Constitution will defend it. And if blood is... Oh, alors là, ça fait plaisir. Ouais, ouais, je sais, j'ai une sale tronche. Je sais, pas la peine de me le rappeler, Eh ben, mes badass, ça fait plaisir, dis donc, ça fait très très plaisir. Alors, oui, ça fait longtemps, je sais, voilà, j'ai eu quelques petites occupations, hein, voilà, hein. J'ai une vie, hein, désolé. Alors, pour en revenir un peu au petit mouton, bien sûr, vous savez qu'après chaque vidéo, hein, Non, je ne suis pas venue une dinde. Non, je ne suis pas devenue une dinde. Non, du tout. Mais bientôt Noël. Ok, je sors. Sorti. Non, pour en revenir à nos petits moutons, voilà, petit sujet au calme, hein, tranquille, hein, que je trouve inacceptable. Non, là, c'est pas possible. Là, il faut agir. Hein, faut agir, vraiment. Faut lever haut la main et écrire injustice, hein, et crier... Enfin bref, vous m'avez compris. Alors, ce sujet va être... Attention, roulement de tambour. Oh putain, je vais me faire des ennemis. Oh. Bethesda! Eh ouais, fallait que ça sorte un jour ou l'autre, il fallait que ça sorte. Je suis désolée, mais là, franchement, c'est trop pour moi. Alors, la péridurale ne va pas durer longtemps, madame. Je préfère vous le dire tout de suite. Le petit truc, c'est que pourquoi nous faire des mises à jour alors que ça bug tout autant? On m'explique pourquoi on nous claque des mises à jour. Bon, je suis totalement d'accord, hein, ça y a aucun souci. Les mises à jour sont faites pour, hein, normalement, corriger les bugs, etc. On est d'accord là-dessus. Or, comment dire? À chaque fois que j'allume ma fucking console, je suis plus, comment dire, sur 6 heures de jeu, il y a au moins, allez, sans abuser, hein, je n'abuse jamais, jamais. Il y a au moins, allez, 3 heures où ça rame, où ça bug, ou enfin bref. Putain, il y a encore ce cheveu de merde là, c'est horrible. Non mais voilà, trêve de plaisanterie. Vous savez très bien que je fais de l'humour en général, hein. Bon, genre que je continue à en faire, hein. Bon. Humour étant dit, très honnêtement, voilà, j'ai plus vraiment envie de faire de l'humour parce que bon, j'adore l'univers Fallout, j'adore tout ce qui est Fallout 3, Fallout 4, Fallout 76, Fallout New Vegas, je les connais par cœur, d'accord? Je suis même étonnamment une très grande fan des séries Fallout, et le problème c'est que ça me gêne, d'accord? J'aimerais pour une putain de cheveux de merde... J'aimerais pour une fois jouer à un jeu tranquille, sans bug. Bon, je sais très bien que c'est un jeu en plus très lourd, d'accord. Il ne faudrait pas non plus les crucifier, hein, d'accord. A savoir que Bethesda avait quand même... Je vais vraiment faire des ennemis. Là. Avait quand même le choix entre faire un Battle Royale ou corriger les bugs, d'accord. Devinez bien entendu ce que Bethesda a fait, hein, pour de l'argent, on est d'accord. Un Battle Royale! Oh la vache! Oh putain les gars, et franchement, c'est dommage que je tiens le téléphone, parce que là je vous aurais applaudi bien fort, hein, d'accord? C'est comme la blague du first, Mais pourquoi mettre un first alors qu'il y a juste une tente, d'accord? Une tente avec un banjo, une casserole, un lit, et c'est tout, d'accord? C'est tout. Je précise quand même qu'il faut payer 15 euros pour ça! 15 euros! 15 balles! Jamais.
Jamais. Tu gonfles putain de cheveux de... Il faut payer 15 euros pour ça. 15 balles. Oui, d'accord. Vous allez me dire, ouais, mais attends, tu te rends compte, il y a quand même... Il y a quand même une boîte où on peut mettre en illimité nos trucs, nos bric-à-brac. Putain, mais, oh, mais t'as pas conscience, c'est génial! Oui, d'accord, ok, tu... Oh putain, ça m'énerve. Oui, je suis d'accord, on peut vraiment mettre toute notre bric-à-brac en illimité, je suis totalement d'accord. Mais à quoi ça sert 15 euros, vous vous rendez compte, 15 balles pour une tente qu'on peut mettre partout. Un truc où on peut mettre nos trucs... Ah oui, d'accord. Le bric-à-brac, la tente, je reprends, et la tenue, d'accord. Alors la tenue qui est... La tenue qui est dans Fallout New Vegas, c'est la tenue du Ranger, d'accord. Voilà, il y a quand même y a un truc qui coïncide pas avec les dates. Enfin bref, je ne vais pas encore crucifier Bethesda, hein, d'accord, parce que bon, faut dire que c'est quand même voilà une bonne entreprise. J'adore Bethesda, ils font quand même des bons jeux, hein. À part les bugs, sinon tout va bien. L'arnaque, on en parlera plus tard. Non, sinon j'adore Bethesda, ils font des sacrés jeux. Ils font des trucs, faut dire, voilà, qui est quand même énorme. Bon, l'univers Fallout, j'adore ça. Je pense que vous avez pu le comprendre. C'est quand même un jeu, une histoire. C'est quand même... Mais là, il faut dire... Bethesda, vous êtes en train de crucifier la licence. Enfin, la licence Fallout, bordel. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Faire payer vos abonnés pour un truc de... Parce que, excusez-moi, là, je vais être violente, mais de merde. Parce que, bon, le truc first, je suis désolé, une tente... Une casserole, il n'y a même rien pour recycler, il manque des choses. Il va falloir réellement faire quelque chose de correct. Une mise à jour ou un truc là, parce que moi je refuse de donner 15 balles pour ça. La communauté Fallout, bon, est quand même assez soudée. Par contre, je tiens à quand même pousser un coup de gueule, c'est-à-dire que la communauté Fallout, arrêtez de crucifier les gens. Qui prennent le first, parce que bon, excusez-moi, mais on fait ce qu'on veut avec notre argent, les gens qui veulent acheter cette blouse, si on peut dire. Il n'y a pas de souci. Ah, j'ai oublié le monde privé aussi. Oui, j'ai complètement zappé le monde privé, hein, je suis désolée, voilà, parce qu'en fait, on peut avoir le tenu, le truc du bric-à-brac, la tente et le monde privé, où on peut se retrouver à 8 joueurs seulement. 8 joueurs, c'est tout. Enfin, 7, avec le joueur. Enfin, le coup de gueule étant dit, le coup de gueule n'est pas fini, d'accord. Je tiens aussi à préciser que ceux qui se sont liés contre les joueurs first, arrêtez tout de suite. Arrêtez tout de suite de les crucifier. On fait ce qu'on veut avec notre argent. Ils ont envie de bousiller 15 balles pour s'acheter le first. Moi, j'achète bien les atomes, quoi. Je suis complètement honnête avec vous. Voilà, ça m'est arrivé de prendre 30 balles d'atomes, enfin 30 balles ou plus, hein, d'accord. Pour acheter des trucs en plus pour mon camp. Enfin, ah, c'est bon quoi. Arrêtez deux secondes de crucifier ceux qui ont le first. C'est ridicule. D'accord? Arrêtez ce que... C'est bon, j'ai assez gueulé là. La meuf, elle passe sa vie à gueuler quoi. C'est abusé quoi. Non, mais bon, très honnêtement, voilà. Moi, il y a quand même des choses qui... Voilà, il y a quand même des choses positives dans Bethesda. C'est-à-dire que j'adore le jeu tant qu'il a été critiqué, tant qu'il a été sali, il a été... Voilà. Fallout 76 est quand même un bon jeu. Faut arrêter deux secondes de critiquer. Ça a été, soi-disant, une bouse dès le départ. Je n'y ai pas joué, donc je ne sais pas ce que c'était au départ, d'accord. Après, très honnêtement, il y a eu de l'amélioration, il y a eu quand même des mises à jour sur le fait, d'accord, il y a eu pas mal de choses, des bugs ont été faits, voilà, bon, ils ont été corrigés au fur et à mesure, hein. À part ce que Bethesda a fait avec son abonnement, je ne sais pas ce qui s'est passé dans leur tête, mais bon, hein... Argent, argent, argent. Eh ouais, l'argent fera toujours faire n'importe quoi, on est d'accord, hein. Sur ce, mes badass, c'est bientôt une vidéo, j'espère, en tout cas, voilà. Nouveau générique aussi, je pense que vous l'avez vu. Et à bientôt pour une vidéo sans gueuler cette fois, enfin j'espère, hein, d'accord, ça fait partie de ma personnalité, je n'y peux rien. Bisous mes badass.